La thèse de Satan dupé par la croix, élaborée par les pères de l'Église à partir d'Origène, a joué un grand rôle pendant des siècles. Elle consiste à présenter la croix comme une sorte de ruse de Dieu, destinée à faire croire au sacrifice du roi divin, c'est-à-dire à la réalité du Christ comme bouc émissaire. Ici, Satan est le mystificateur pris au piège de sa propre mystification. Car si la crucifixion reproduit bien le modèle sacrificiel, elle a des conséquences qui dépassent le cadre de la pensée mythique. Pour l'anthropologue René Girard, cette thèse contient une intuition essentielle. Elle nous conduit à relire la Bible comme un mythe au prodigieux pouvoir de subversion. En lisant les mythes à la lumière des évangiles, parce que c'est ça finalement que je fais, et de la Bible tout entière, on comprend ce que sont les mythes. Lorsque je parle de science, je ne dis pas qu'il s'agit de prouver la foi scientifiquement, ce qui serait ridicule. Mais ce que c'est la Bible qui lit scientifiquement les mythes. Le mystère des mythes, ce que nous ne comprenons pas, c'est que ce sont toujours des phénomènes de persécution cachée, de persécution réussie, en quelque sorte, qui ressoudent la communauté sur le mensonge de la persécution. Et qui divinise la victime finalement, qui voit dans la victime à la fois le coupable, Oedipe, et la divinité du mariage, qui est Oedipe finalement, et, n'est-ce pas, dans la mythologie grecque. Alors, retrouvez toujours tout ça. Et nous sommes un peu comme des gens qui, supposons que dans 5000 ans, des historiens arrivent, et on retrouve tous les textes journalistiques sur l'affaire Dreyfus. Et on. Le français n'est plus connu, n'est-ce pas ? Alors on aurait de la peine à traduire, etc. Alors, sans doute on étudierait les choses scientifiquement, c'est-à-dire statistiquement. Et on dirait ces textes disent les uns et les autres à peu près la même chose. Ils sont d'accord sur la date de naissance de Dreyfus, sur la date de son procès, sur le fait qu'il est arrivé du diable, etc., sur ce dont il est accusé, sur presque tout, sauf une toute petite chose insignifiante, dans un cas il est innocent, dans l'autre il est coupable. Alors nous savons que c'est la seule chose qui compte. Mais quand nous pensons au mythe et à la Bible, nous ne le comprenons pas. Et on peut le répéter sur tous les tons, personne ne le comprend jamais. Parce qu'on ne veut pas le comprendre. C'était au crépuscule du matin. Abraham se leva, embrassa Sarah, la fiancée de sa vieillesse, et Sarah donna un baiser à Isaac qui l'avait préservé de la honte, lui, son orgueil et son espérance pour la postérité. Ils marchèrent en silence. Le regard d'Abraham fixa la terre jusqu'au quatrième jour. Alors il vit à l'horizon la montagne de Moria. De nouveau il baissa le regard. Il prépara l'Holocauste en silence et lia Isaac. En silence, il dégaina le couteau. Alors surgit le bouc que Dieu avait prévu. Il le sacrifia et s'en retourna. Depuis ce jour, Abraham devint vieux et ne pouvait oublier ce que l'Éternel avait prétendu de lui. Isaac continua de grandir. Mais l'œil d'Abraham était fané et ne réussit jamais plus à voir le bonheur. Crainte et tremblement, Søren Kierkegaard. Vous savez, la plupart des mythes commencent par une crise. Bien souvent, c'est la société qui ne peut pas se fonder. Bien souvent, c'est la peste, comme dans Oedipe au roi. Bien souvent, c'est une crise ouvertement sociale. Mais ça peut être aussi un mélange de crise sociale et d'inondations, ou de sécheresses, ou de volcans, ou de montagnes qui s'entrechoquent, ou un monstre qui réclame des victimes sacrificielles. Parfois, c'est très réaliste, parfois, c'est très mythologique, mais on sent que c'est toujours... Au début des mythes, la société qui fout le camp. Pour une raison peut-être en partie objective, mais aussi parce que les relations humaines,
lié à ceci se gâte complètement et tout part, tout va dans le sens d'une violence généralisée. Qu'on peut définir, en utilisant l'expression de Hobbes, la guerre de tous contre tous, n'est-ce pas, le social qui s'était fait. Mais le mythe, c'est pas ça. Ça, c'est le début des mythes. Fondamentalement, le mythe, la partie centrale, c'est lorsque toute la communauté se reconvertit contre une victime unique. Et cette victime unique, littéralement, une fois qu'elle est assassinée, expulsée, lynchée, souvent dans beaucoup de mythes archaïques, où on voit le lynchage derrière des scènes qui sont autres que le lynchage. Le lynchage est à la fois révélé, caché, déguisé, transposé en lynchage animal, dans beaucoup de mythes, les vautours autour du cadavre, ou les buffalos, les bisons chez les Blackfoot Indians, les kangourous chez les Australiens, etc. N'est-ce pas, ce lynchage résout le problème. Et alors je pense que c'est cette rivalité mimétique qui trouve ce qu'on appelle de nos jours un bouc émissaire, c'est-à-dire le pelé, le galeux, d'où venait tout le mal, et une fois qu'il est tué, puisqu'il est l'ennemi de tout le monde, la paix se rétablit. La paix ne va pas durer, vous me direz, non, elle ne dure pas. Mais précisément, elle est fondatrice des sacrifices, des rites. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice? À partir de la définition que je viens de donner du mythe, on voit tout de suite ce que ça doit être. C'est la reproduction délibérée par les gens qui ont bénéficié de ce meurtre sur des victimes de rechange. Ils se disent, si cette victime nous a réconciliés une première fois, en mourant ou en faisant tuer une victime, ça dépend des cas, n'est-ce pas, pourquoi pas recommencer? Peut-être elle a fait cela pour nous enseigner le rite, pour nous enseigner à sacrifier. Alors, au fond, les sociétés archaïques, toutes les sociétés de la planète, finalement, sont fondées sur le sacrifice, qui évacue la violence, etc. Et le bouc émissaire au sens rituel, c'est encore ça. Mais nous nous traduisons et nous comprenons que derrière l'expression bouc émissaire, il y a un phénomène psychosocial d'union de tous dans un groupe contre un innocent. Quand nous disons bouc émissaire, c'est ça que nous voulons dire. Alors toute ma thèse sur le religieux consiste à dire, à en quelque sorte interpréter, à reconnaître la vérité de cette traduction que nous donnons de bouc émissaire. Les dictionnaires ne comprennent pas ça du tout. Ils disent que le sens psychosocial de victime que nous condamnons tous à tort, eh bien, il dit que c'est un sens dérivé, le dictionnaire. Et il dit que le sens propre, c'est le rite du Lévitique. Pas du tout. Le sens propre, c'est ce que nous constatons de nos jours dans les rapports humains. Et le sens dérivé, c'est l'époque des rites où les communautés n'avaient pas peur de reproduire ce phénomène religieusement. Alors l'originalité de la Bible est facile à définir. L'originalité de la Bible, c'est qu'au début de la Bible, on trouve encore des rites comme ça, mais essentiellement, la Bible, c'est le refus de ce type de rite. C'est la reconnaissance de l'innocence de la victime. Alors, elle n'est pas seulement dans les évangiles, cette reconnaissance. Elle est déjà là dans l'histoire de Joseph, elle est déjà là dans le livre de Job, qui dit, vous voulez tous me tuer après m'avoir vénéré, mais je suis innocent, je suis le même qu'il y a 8 jours quand vous me faisiez de moi votre chef, etc. Maintenant, vous voulez me lyncher, n'est-ce pas? Alors là, le processus mythique et la déconstruction, pourquoi pas utiliser le terme, n'est-ce pas, la démystification du mythe, sont dans ce texte. Alors, il faut les rapprocher des mythes et voir que le mythe reste fondé sur l'illusion que le bouc émissaire est vraiment coupable et qui nous a vraiment réconciliés en mourant pour des raisons mystérieuses et divines, mais où on ne reconnaît jamais son innocence. Qu'est-ce donc que l'homme pour en faire si grand pas, pour fixer sur lui ton attention, pour l'inspecter chaque matin, pour le scruter à tout instant? Cesseras-tu enfin de me regarder le temps que j'avale ma salive? Si j'ai péché,
ai-je fait? À toi, l'observateur attentif de l'homme. Pourquoi m'as-tu pris pour si? Pourquoi me suis à charge? Job est quelqu'un, Job n'est pas un homme patient. Eri de Luca. La patience de Job, je ne sais pas d'où est sortie cette légende. Job est quelqu'un qui est attaqué physiquement dans ses biens, dans ses fils, dans la chair de ses fils et dans sa propre chair. Il vient dépourvu de tout. Et il est un homme de foi. Et donc, il sait parfaitement d'où vient cette volonté de lui priver de tout. Il, donc, monte une récrimination contre Dieu. Il veut savoir pourquoi. Le livre de Job, c'est un livre légal. Il ouvre un procédement légal entre lui et Dieu. Il lui demande raison de la sentence émise contre de lui. Les autres amis qui l'entourent, face à cette prétention de Job, se font défenseurs de Dieu, se mettent à défendre Dieu. Jamais ils prient directement Dieu pour faire cesser cette souffrance de leur ami. Ils défendent Dieu, font les défenseurs de Dieu. Et Job demande une explication. C'est la victime innocente. Il se déclare comme ça. Mais sa force est celle de parler de Dieu, mais aussi celle de parler à lui directement. Il y a dans le chapitre 7, la directe explosion du tout de Job à Dieu. Les autres n'existent plus. Il parle directement à Dieu. Et il laisse moi engloutir ma salive. Mon crachat, il dit en hébreu. Laisse-moi. Il dit une expression très brutale qui est celle de Notzer Adam, ça veut dire le gardien de l'homme. Il prend le Yotzer Adam et le transforme en Notzer Adam. Quoi, tu n'es pas le fabricant de l'homme, tu es le gardien de prison de l'homme. Donc ce tout, très fort, très direct, le justifie. C'est le tout qui fait la différence entre lui et les autres. Et quand Dieu, à la fin du discours, de tous les discours, dira raison à Job et tort à ses amis qui ont eu la prétention de défendre l'œuvre de Dieu, Dieu donne tort à ses amis, il le fera parce que Job a lui parlé directement. Job a utilisé l'étude de la prière, mais aussi de l'insulte, comment on dit, De l'insulte. Et là, vous évoquez donc cette citation, lorsque Job dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses si grand cas, que tu fixes son attention sur lui et en prennes soin ?» C'est une référence, une citation du psaume 8, oui, mais qui est retournée d'une certaine manière contre Dieu. Oui. Exactement, exactement. C'est une récrimination. Lorsque David écrit ces mots comme dans le sentiment de la merveille et de l'humilité, il les répète dans le sentiment de l'amertume et de la persécution. Qu'est-ce que c'est l'homme parce que tu le poursuis avec cet acharnement? C'est le même tout de David, mais il a le droit de l'user et de l'abuser parce qu'il est blessé. Il est blessé sans raison. Mais cette formule, cette violence, Dieu l'accepte. Tant qu'il n'accepte pas qu'on parle de lui, que les autres parlent de lui, de son œuvre, de sa justice. Il veut seulement qu'on parle avec lui.
Et ça, c'est la différence entre quelqu'un qui croit et quelqu'un qui ne croit pas comme moi. Moi, je ne peux pas donner le tout à ce Dieu. Je peux parler de lui, mais je n'ai pas la force et le droit de me adresser directement. Et donc, c'est Job qui a raison, même quand il a tort de se prendre avec Dieu pour ses mots. Au fond du compte, il aura raison. Il aura raison, il aura la pleine restitution de son état de santé et de bonheur précédente. Et de son droit, finalement. Et de son droit. C'est ainsi qu'un écrivain a épousté d'un battement de cils le bout de page sur lequel il est tombé, qui lui a peut-être été confié. Il sait que sa lecture à travers le corps de la Bible est un guet pour traverser un fleuve à sec. Autrefois, le courant emportait le voyageur dans le tourbillon des bûchers. Mais notre siècle est las de brûler, fatigué des pierres tombales et nombreux sont les degrés de vérité entre lesquels placer ses notes. Alléguer des prétentions au détail est une entreprise peu compatible avec le survol de ces pages. Défaire et renouer un verset, se lancer dans la correction du monde ou d'une page, l'urgence s'empare souvent des moins aptes. On est chargé d'une tâche comme Job de son épreuve, ignorant la faute qui nous y lie. On l'accomplit avec le harnachement, mort et l'icole imposé par Coëlette à ceux qui se soumettent à une tâche ou se l'approprient. Tout n'est que poursuite du vent. Il est écrit que Job meurt rassasié de jour, que l'antique surprise de la mort, dans la vieillesse ou dans l'âge tendre, contienne pour chacun l'agréable satiété, assouvissement du temps imparti, viatique pour aller en homme, prêt à la rencontre de son propre rien. Guéri de Luca, un nuage comme tapis. Il y a une nouvelle là dans ce vers qui dit Dieu ouvre l'oreille de l'homme avec la souffrance, avec la douleur. Oui. Donc ça, c'est la grande idée que la douleur, ce n'est pas un temps perdu. C'est un temps où on peut se mettre en écoute du sens de la parole de Dieu, dans sa propre chair. La souffrance est un temps qui peut être sauvé. Alors, se sauver du douleur et aussi sauver le temps du douleur. Ne le donner pas perdu, par gaspillé, comme pour arracher vif. C'est un temps dans lequel on peut rester debout, on peut rester en écoute. Il faut bien se taire, il faut bien se taire pour entendre. Donc la souffrance est un lieu où Dieu peut ouvrir l'ouïe de l'homme. Ça c'est une grande phrase que Élie transmet à Job. Et c'est vrai, et c'est exactement ce qui s'est produit. Après le discours d'Élie, Job se tait. Il n'y a pas de réplique, de réponse à Élie comme dans tous les autres passages précédents. Et donc dans le silence de Job s'ouvre le mot de Dieu. Et Dieu commence à parler à Job. Parce que Job a obéi en quelque manière à Élie, a mis son oreille en écoute, a fermé sa bouche et a écouté son douleur, et la voix de Dieu sort de dans la douleur de Job, sort de des plaies de Job. Et ça, c'est la plus incroyable consolation qui peut se produire dans la souffrance. Écouter la voix de Dieu dans sa souffrance, ça, c'est une immensité donnée aux croyants. Vous dites, Éric de Luca, que le malheur est un désert où l'on peut s'épuiser en récrimination, en lamentation, oui. Mais où, si l'on se tait, justement, on peut être rallié par Dieu. Oui, peut être. Le désert, c'est le lieu exact des rencontres. Et donc, dans le désert,
même dans le désert de sa propre chair, et là est possible plus que dans le reste des moments de trouver une voix qui arrive, être rejoint d'une voix. Il semble que dans les temps anciens, sur tout le pourtour de la Méditerranée, la crucifixion ait été un sort réservé au roi sacré de l'année. Crucifixion à l'intérieur d'un cercle de pierres non taillées sur un térébinthe, un chêne kermès, un chêne royal, un pistachier ou un grenadier selon les diverses coutumes tribales. On dit que cette pratique persiste en Bretagne septentrionale et dans les régions sauvages de la Gaule. Les compagnons du roi l'attache avec des liens d'osier à un chêne ébranché en forme de T. Il est alors paré de rameaux verts, couronné d'aubépines, fouetté et maltraité de façon honteuse, puis brûlé vif pendant que ses compagnons dansent autour du feu, vêtus de peau de taureau. Mais son âme s'envole sous la forme d'un aigle, comme l'âme d'Hercule de son bûcher du mont Œta, et devient immortelle, tandis que les hommes taureaux font un repas eucharistique de ses restes. En Grèce, la crucifixion survit partiellement et sous une forme ludique dans la fête annuelle d'Olympie, où l'on bombarde de pierres le Zeus vert. Mais l'on trouve des rites plus proches de cette coutume gauloise en Asie mineure, en Syrie, en Palestine, et notamment le grand sacrifice syrien d'Hierapolis et son équivalent phrygien, que l'empereur Claude introduisit à Rome une vingtaine d'années après les événements relatés ici. Dans tous les cas, le roi sacré représente un sacrifice offert par la tribu à sa déesse mère. Robert Graves, King Jesus. Dites, René Girard, à propos de la croix, qu'elle est dans le fond une représentation vraie, c'est-à-dire finalement non mythique, oui. De la violence mythique. De la violence mythique. Les mythes, c'est toujours le même meurtre que le meurtre qu'on trouve dans la Bible et qu'on trouve dans les évangiles. Mais la différence, c'est que le Dieu est coupable dans les mythes. Autrement dit, la communauté fondée sur le mythe et le rituel, la religion archaïque, est fondée sur l'illusion. Du bouc émissaire. Tandis que la Bible, elle, révèle de plus en plus cette illusion, et le Christ, en quelque sorte, meurt pour la révéler complètement. N'est-ce pas ? Alors on peut donner à la mort du Christ, non pas le sens d'une expiation, mais l'idée que le Christ, pourquoi le Christ doit mourir ? Parce qu'il a proposé aux hommes de renoncer à tous les boucs émissaires, il leur a dit qu'il faut tous se réconcilier, renoncer à la violence, aux escalades de la violence, parce que tout le monde a refusé. Alors on le prend, lui, pour victime, dans la mesure où le système continue. N'est-ce pas ? Mais dans la mesure où, d'une certaine manière, il accepte, il refuse de participer. Le seul endroit où on peut ne pas participer au bouc émissaire, c'est en étant soi-même la victime. Alors là, dans la passion, il y a toutes sortes de trucs vertigineux, n'est-ce pas ? Qui se passe. Mais parce que c'est la victime qui révèle la vérité de toutes les victimes antérieures et qui, de cette façon, révèle qu'il est Dieu, qu'il est le Dieu qui n'a rien à voir avec les victimes, mais qui a accepté ces illusions. Oui, parce qu'il y a une espèce de subversion étonnante dans le récit de la Passion, puisque dans les mythes archaïques et les récits de fondation, la violence fondatrice qui s'exerce sur une victime expiatoire, en somme, la divinise dans le même temps, et voilà. Que c'est souvent la même personne, voilà. Qui est le bouc émissaire et, oui. Et le Dieu. Donc le symbolisme est le même, voilà. Dans le mythe et le christianisme, c'est ça qui est si effrayant. Pour... Mais en même temps, si vous regardez... À partir du moment où vous comprenez que c'est la révélation de toute l'anthropologie, de ce qu'est la culture humaine qui s'effectue dans la Bible, tout s'éclaire, n'est-ce pas ? Les textes deviennent de plus en plus clairs. Dans les psaumes, par exemple, c'est toujours une victime qui est menacée par un groupe collectif, qui est menacée alors qu'il les compare à des chiens, à des taureaux, etc., et qui appelle Dieu au secours.
et dit adieu, foudroie tous ces salopards qui veulent me lyncher, n'est-ce pas? Alors on dit les psaumes sont terriblement violents. On pense que le lyncher devrait être plus poli envers ces lyncheurs qui s'apprêtent à commettre la violence. Mais on ne voit pas du tout que ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la victime qui a la parole. Dans un mythe, non seulement la victime n'a pas la parole, mais nous ne savons jamais qu'elle est victime. Parce que précisément, les persécuteurs ne parlent jamais de leur persécution, ou s'en parlent d'une manière absolument mythique. Nouvelle lecture de la Bible par Jacques Munier. Aujourd'hui, Satan dupé par la croix.